4 mois de lecture et de réunion, c'est le temps qu'il aura fallu au jury, composé de spécialistes, de chercheurs, de journalistes et de hauts responsables, pour sélectionner les 3 finalistes du prix Brienne du livre géopolitique. Après l'ultime réunion de délibération, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé sur l'intérêt de la géopolitique pour la France avant d'annoncer le lauréat. Aucun pays ne peut plus avancer à l'aveugle dans un monde dont les données majeures sont désormais l'incertitude et la complexité. La vocation opérationnelle et de court terme du ministère, qui est première, doit aussi s'appuyer sur une démarche réflexive, sur une démarche de long terme, qui est fondamentale. Mesdames et messieurs, le premier prix Brienne est attribué à François Gonnement pour Que veut la Chine ? Rencontre avec François Gonnement, historien, spécialiste de la Chine et des relations internationales et professeur à Sciences Po Paris. L'objectif de base de ce livre, c'est de montrer les débats qui ont agité le milieu dirigeant chinois entre 2008-2009 et 2012, c'est-à-dire le moment où la succession s'est mise en place, où le nouveau dirigeant qui est Xi Jinping aujourd'hui arrivait. Et c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces débats, quels mécanismes de pouvoir, quels enjeux. Le prix géopolitique de l'hôtel de Brienne, pour moi, aurait évoqué une tradition militaire d'officiers, sabre au clair, ce que j'ai pu lire dans la collection Rouge et Or quand j'étais gamin. Donc je suis évidemment surpris et très content que les géopoliticiens, les lecteurs de ce jury, aient accordé une telle importance à ce qui naguère était indéchiffrable pour la puissance française, si vous voulez, c'est-à-dire comment et pourquoi les Chinois agissent. Et c'est extrêmement important que la réflexion stratégique française accompagne ce glissement vers l'Asie qui est en train de se produire. Je suis un grand auteur d'articles, j'anime à Asia Centre, que j'ai créé une revue d'analyse permanente sur la Chine. Donc le livre, pour moi, c'est un événement important mais occasionnel. Nous ne sommes plus à l'époque de la guerre froide où le monde était en noir et blanc. C'est terminé. Donc comprendre cette nouvelle complexité, cette nouvelle redistribution des cartes, c'est l'ambition de ce prix. On a essayé de redonner du sens et surtout des moyens pédagogiques à travers des ouvrages sérieux et de talent, donner des moyens aux citoyens de se faire une opinion. C'est ça l'important. C'est un signal que l'on donne, on attire l'attention sur ces 3 ouvrages, plus sur le prix spécial du jury attribué à Thérèse Delpech. Ce sont les 4 ouvrages qu'on veut vraiment signaler en disant ces ouvrages vont vous aider à mieux comprendre le monde qui vous entoure et ce qui se prépare demain pour vous.